Transformer un bloc de marbre de 3 tonnes en une œuvre d'art monumentale, ces 6 sculpteurs ont 15 jours pour relever le défi. Première étape, les panelages. Il s'agit de dégrossir la matière pour s'approcher au plus près de la forme finale, une phase qui permet à l'artiste de faire connaissance avec l'intimité de son bloc. Chacun possède ses petits défauts. On ne peut pas lire comme ça à l'extraction les failles éventuelles. Donc elles vont se découvrir. On peut y remédier par l'adjonction de colle, de résine, si besoin est. Mais en règle générale, on s'adapte. S'adapter aux imperfections et à la couleur. Le marbre de Saint-Pons en présente 7 teintes, courrosse dorée ou perle de nacre. Renate, elle, travaille l'emblématique rouge de Saint-Pons. C'est en se rendant à un symposium en simple curieuse qu'elle a rencontré sa passion il y a 15 ans. Pour cet autodidacte, la performance artistique n'est qu'une partie de l'expérience. On a quand même un métier très solitaire. Donc de se retrouver entre sculpteurs, c'est vraiment un grand échange artistique, technique, mais aussi amical. Donc ça c'est un côté, ça c'est pour nous. Mais c'est aussi intéressant pour le public, parce que le public il peut voir des sculptures partout, il y a des sculptures. Mais de voir vraiment comment une sculpture est faite, comment d'une pierre on arrive à une sculpture à la fin, c'est très intéressant. Les 6 artistes internationaux ont été sélectionnés parmi 120 candidats pour défendre leur concept autour d'un thème imposé. Tous ont dû produire une maquette du projet à l'échelle 1/10. Quand on choisit des artistes comme ça, il faut pouvoir projeter une petite maquette ou un petit dessin qu'on reçoit et savoir si en monumental ça va donner quelque chose. Ce n'est pas toujours le cas. Après, bien sûr, par rapport à la thématique de l'eau, qui est une résonance par rapport à cette thématique, ça sera conforme à la thématique. Pouvoir réaliser ces œuvres en 15 jours, effectives, ce qui n'est pas évident quand on a 3 tonnes de pierre dans les doigts. Pour découvrir le travail des sculpteurs et pourquoi pas une vocation, la performance est ouverte au public jusqu'au 28 juillet.